À la Belgique. Et on se demande bien pourquoi, mais évidemment, ceci. Elle ne nous regarde pas. Donc, en gros, leur indépendance, elle a duré max 48 heures. Lumumba, qui n'était pas trop d'accord sur ce qui se passe au Congo, a demandé à la Belgique et à d'autres pays d'arrêter de voler leurs richesses. Et devinez quoi, il a été tué. Mais ça, on commence à avoir l'habitude. Et l'officier qui a fait ça, il a gardé les dents de Lubumba dans son jardin, histoire de garder des preuves pour dire c'est moi qui l'ai fait. Ensuite, il y a Mobutu, et ensuite, il y a Kabila Père, qui, entre parenthèses, lui aussi s'est fait tuer dans les circonstances. ah euh, voilà, on n'a rien vu. On ne voit rien, on sait pas, on sait pas. Et là, il se passe un truc de dingue. T'as le politique belge Louis Michel, qui travaille pour l'Europe, qui vient au Congo, et qui dit Vu que Kabila Père est mort, on va donner le pouvoir logiquement. À son fils, alors qu'il y avait un vice-président. Et ça a été justifié en disant que, vu qu'il y a des conflits, voilà, on va mettre son fils en attendant d'avoir des élections. Ça a duré 5 ans. Ça fait quand même beaucoup la période de transition. Et aujourd'hui, ça fait 16 ans qu'il est président. Et là, il est en train de vouloir changer la constitution, histoire de rester encore 2-3 siècles. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quelques années, il y avait un zoo de congolais à Bruxelles. Et quand je te dis zoo de congolais, je te parle pas d'animaux venant du Congo, mais bien d'un zoo humain de congolais, où des familles belges venaient toucher les petits cheveux crépus des petites filles congolaises. Ah, comme c'est mignon Aujourd'hui, un élément qui fout bien la merde au Congo, c'est le coltan. C'est juste un élément indispensable dans nos smartphones. Ça empêche à notre smartphone de trop chauffer et ça lui empêche d'effacer toutes nos données lorsqu'il s'éteint. Tu comprends maintenant à quel point ce truc est super important. Et pourquoi c'est aussi grave Eh bien tout simplement parce que ce sont des femmes enceintes, des enfants, des hommes qui sont payés 2 euros par jour pour extraire ce précieux minerai. Et il y a des millions de personnes qui meurent à cause de ça. Et tous les fabricants de smartphones, d'ordinateurs, de tablettes utilisent le coltan congolais. Et ce coltan qui pourrait faire vivre tout le Congo est sorti illégalement vers le Rwanda qui le réenterre pour qu'il puisse dire on est les premiers producteurs de coltan au monde. Quoi tu commences à sentir comment elle pue cette histoire On se demande bien à qui ça doit profiter tout ça. Aujourd'hui, ce magnifique pays qui est la République démocratique du Congo est gouverné par des états par des entreprises qui pensent que ce pays est un portefeuille. Et actuellement, il y a un génocide qui a déjà fait plus de 6 millions de morts, perpétué par des rebelles financés par des multinationales pour pouvoir payer le sol congolais. On est tous liés indirectement au Congo par nos smartphones. C'est vrai que cette vidéo ne va rien changer. Et là, il y a plein de personnes qui vont dire "Mais pourquoi est-ce que tu l'as fait alors Bah parce que seulement le fait de savoir voir ce qui se passe là-bas, c'est déjà un pas qu'on fait. Et un petit pas en avant dans ce monde, aussi petit soit-il, c'est quand même le signe qu'on avance. Donc les amis, je vous invite à partager un maximum cette vidéo. Il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe là-bas. Que les gens sachent ce qui se passe au Congo aujourd'hui et d'ailleurs depuis des décennies et sous l'indifférence générale. Merci à tous et que Dieu bénisse la...